Alors, vous en pensez quoi? Eh, mais moi, je vous demande ça comme si on était en FaceTime, comme si je vais dire, vous en pensez quoi? Il y a une petite voix derrière, va me dire, ah, Mago, tu dettes ça? Hello YouTube! Bon, retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, tranquille, tout ça. Je suis désolée, à chaque fois, je lui dis, ouais, je reviens, tout ça, j'essaie de faire un effort, au moins mettre une vidéo par semaine. Mais vas-y, t'as vu, avec le corona, moi, je sais plus quoi vous faire, hein, comme vidéo. Je sais pas quoi filmer, tout ça. Mais on essaie d'être là. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications de ce qui se passe. Pensez aussi à aller me follow sur Instagram, IAMAURAYTB. Si je poste pas ici, je poste là-bas. Allez vous abonner, s'il vous plaît. Pensez aussi à aller me follow sur Twitter, parce que bah du coup, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant il y a les flits sur Twitter. Donc on peut mettre des stories. Donc c'est trop bien. Enfin, moi je trouve c'est trop bien. Certains aiment, certains aiment pas. Moi je trouve que c'est cool. Mais attendons qu'ils développent un petit peu plus ça, parce que la fluidité, ça craint un petit peu. Donc allez me follow sur Twitter. La même chose, IAMAURAYTB. Alors. La vidéo d'aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est un haul. En fait, j'ai passé une commande sur AliExpress, donc j'ai commandé des petits hauts mignons, des petits vêtements, tout ça. Et j'ai reçu en partie, ouais, toutes mes commandes. Je me suis donc dit que j'allais faire un haul et vous montrer un petit peu bah, ce que ça donne, quoi. Et franchement, je suis pas déçue. Il y a peut-être, allez, il y a quoi? Il y a deux pantalons qui m'ont saoulée. Un, parce que finalement, ça donne pas du tout ce que je voulais sur moi et que l'autre, vraiment, c'est juste... pas du tout ma taille, mais sinon le reste, trop bien. Franchement, j'aimerais dire j'adore, mais comme on adore que Dieu, bah je vous propose de commencer. En plus, je porte... Hey, j'ai une chanson en tête. Je sais pas si vous avez écouté la réédition de Dadju. Là, je mangeais sur un vrai son, hein, mais je vous mets pas la musique, sinon après on va me démonétiser. Oui, donc le son, ça fait... Va dire à ton ex que c'est fini, il n'a plus de pouvoir sur le bas de ton dos. Hé, hey, ma petite voix là, franchement. Si je tape ça un peu, je suis sûre que je peux taper des vocalises, tout ça. Faut un genre, c'est pas grave. Donc je disais, AliExpress, tout ça, commander, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est parti. La première pièce, déjà, je la porte sur moi. Regardez-moi un peu ce haut. Au passage, ceux qui n'aiment pas les choses sexy, ceux qui n'aiment pas les choses près du corps, ou ceux qui n'aiment pas, comment dire, ceux qui sont trop classiques. Non, quoique vous pouvez rester, il y a quand même des pièces classiques pour vous. En tout cas, commençons. Donc, comme vous l'avez deviné, la première pièce, c'est ce petit haut. Il était en blanc, rouge, noir, peut-être jaune aussi, je me rappelle plus trop. Alors moi, je pense que je vais recouper ici pour qu'on voit un petit peu plus mon décolleté. Là, c'est sympa déjà, mais bon, c'est mes envies, quoi. Le haut est trop mignon, trop agréable à porter, la matière, elle est nickel. Je m'attendais à ce qu'elle soit avec les petits traits là-dessus, comment on dit. Bref, j'arrive plus à trouver le mot. Pas déçu, quoi. Le haut, il est top. On apprécie. Et de dos, bah, c'est un haut simple, hein, c'est un crop top. Des plus simples. Moi je l'ai pris en S, bah, toujours la taille la plus petite. Je pensais que ça allait arriver, ça allait bailler un petit peu, mais finalement c'est parfait, nickel même. En bas vous aurez bah, tous les liens pour pouvoir commander si jamais ça vous plaît, mais en tout cas ce haut là j'ai adoré. Non, on adore que Dieu, j'ai aimé. Ensuite, la deuxième pièce, je la porte aussi déjà directement, c'est ce pantalon, donc un cargo. J'ai adoré la couleur orange, j'en voulais un orange comme ça depuis un petit moment, mais je n'en trouvais pas. Il est pas mal, hein. Pareil, j'ai pris taille S, petite taille, il fait ça. De derrière, ça donne ça. Donc, petit cargo, sympa. Donc, j'ai essayé de faire un petit look, hein, vous voyez. Je trouve que les deux ensemble, ça donne bien. Bon, après, il faut aimer ce look-là. Hein. C'est un peu le look Instagrammeuse, là. Je sais pas si vous voyez, cargo, petit haut moulant. Elles aiment grave, grave, grave s'habiller comme ça. Après tout, on est à l'aise. Hein. Moi, c'est plus la couleur du cargo qui m'attirait. Le côté oversize aussi. Je suis vraiment, vraiment bien dedans. Je vous propose de passer à la... prochaine tenue. Pour la prochaine tenue, je pense que vous l'avez beaucoup vu sur Instagram. Il y avait pas mal de meufs qui avaient des tenues dans ce style. On les trouve un peu sur tous les sites. Hein. Miss Guided, Pretty Little Thing, quoi d'autre, Miss Empire. Bref, on trouve quoi. Ce que j'aimais, moi, c'était la forme de l'ensemble. Mais au final, la couleur, c'était pas du tout ça sur la photo. Mais c'est pas dégueu. Je vous montre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, c'est la chaîne de l'autre haut. Hein. Fais pas gaffe. Donc, on a la veste. J'adore la couleur menthe fraîche, comme ça. Je crois qu'on peut dire ça, menthe fraîche. Et j'aimais trop sur les côtés, comme ça, là. En fait, moi, mon ventre est plat. Vous voyez, j'ai un magnifique ventre, tout ça. Donc, dès que je peux un petit peu montrer cette partie-là, votre go, elle est heureuse. Admirons un peu. Après, tout, c'est l'œuvre de Dieu. Je pense que vraiment, prenons une minute de silence. Et remercions le Seigneur
de m'avoir donné ce body. Alors j'aimais vraiment ce côté là, je trouvais ça trop bien. Et le jogging, on est ultra à l'aise dedans. La matière au toucher, elle est vraiment douce, elle est vraiment cool. Là pour cet ensemble je suis absolument pas déçue. Les bras sont pas trop courts comme on a l'habitude. Et je me rapproche, vous voyez, c'est comme ça. Donc la matière, la couleur, tout ça. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Comme d'hab hein. Commentez. Je veux vraiment avoir votre avis si vous aimez la couleur. Il existait quoi? Gris, noir peut-être, vert. Mais c'était vraiment pas un vert comme ça. De toute façon je vous mettrai le lien et vous irez voir. Je l'ai eu à moins de 20€. Je crois que ça a dû me coûter l'ensemble 15 balles, un bail comme ça. Vous savez hein, de toute façon c'est à vie. Je propose du coup de passer à la prochaine pièce. Et la prochaine pièce j'aime trop. Elle est trop cute. Alors la prochaine pièce c'est ce haut. Franchement j'ai eu un coup de cœur. Ça fait longtemps qu'il était dans mon panier que je l'achetais pas. Et je pense que c'est cette partie ajoutée que je trouve super cute. Comme d'hab hein, toujours un haut qui met mon ventre en valeur. On aime quoi. Quoi d'autre? J'aimais bien le côté pas side boob mais down boob. Ça veut dire, vous voyez, on voit un tout petit peu les seins ici en dessous. Bon, évidemment, pour toutes les personnes qui sont pudiques, tout ça, machin, décalé. Sauf si vous êtes pudique et bien sûr, vous acceptez les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils s'habillent. Hein. Si vous êtes là pour juger, décalé, mettez-vous sur le côté. Vous n'êtes absolument pas avec nous. Mais pour les autres, kiffez. Franchement, il est cool. Il est vraiment bien. Je trouve qu'il met grave la poitrine en valeur, en fait. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. De derrière, ça fait ça, mais le prenez pas en compte. Parce que, comme vous savez, moi, j'ai une petite taille. Du coup, comme mon couturier est fermé en ce moment, je l'ai coupé et j'ai fait un nœud. C'est pas vilain, hein, mais ce sera mieux quand on va recoudre. Donc, de derrière, ça donne ça. Et devant, vous avez ce truc qui vient se caler là. Après, vous le mettez comme vous voulez, hein, ça. Vous pouvez le mettre un peu plus sur le côté. Moi, j'aime vraiment bien quand ça traverse entre mes boobs. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, c'est... j'adore. On ne peut pas dire j'adore parce qu'on adore que Dieu. Oh, moi, j'arrête pas de faire cette bêtise. Je vous propose de passer... à la pièce suivante. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Franchement, je sais même plus c'est quoi les paroles. Prochain petit yo. Tada. 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 Alors, vous en pensez quoi? Eh, mais moi, je vous demande ça comme si on était en FaceTime. Comme si je vais dire, vous en pensez quoi? Il y a une petite voix derrière, elle va me dire, ah, Margot, tu dettes ça. Tu vois? Alors que je suis genre seule face à ma caméra, je parle seule dans ma chambre. À une certaine époque, je pense que à Salem, là, je méritais le bûcher. Hein. Une petite rôtisserie pour Aura, tranquille quoi. Donc je disais, il existe en blanc et noir. Je me rappelle plus s'il y a une autre couleur, mais de toute façon, va y avoir le lien. Vous pouvez checker par vous-même. J'aimais trop pareil le truc sur le côté là. Et je le trouvais vraiment sympa. Côtelé, je crois, on dit. Le fait qu'il y ait des traits là, c'est côtelé le mot. Franchement trop agréable, il est arrivé ma taille comme vous pouvez voir. J'ai même pas besoin de le reprendre, il est nickel. Donc si vous aimez comment il est fait, tout ça, n'hésitez pas à le commander. Et vous savez que franchement c'est arrivé assez vite hein, parce que j'ai commandé début du mois, j'ai dû recevoir tout 2 semaines après. Donc pour AliExpress, je trouve que c'était quand même rapide. On a l'habitude d'attendre très longtemps. La qualité est bien. Il est mignon, il me va bien. Je pense qu'il vous irait bien vous aussi. Donc si vous avez envie de dépenser de l'argent, n'hésitez pas. Ah, le Black Friday sur Ali, pour moi c'est une arnaque. Hein. Pour ceux qui veulent faire, pour moi c'est vraiment une arnaque. Je pense qu'ils gonflent les prix une semaine avant. Et pendant le Black Friday, c'est juste le prix normal. Arrêtez de vous faire avoir, que ce soit le 11-11 ou le Black Friday sur Ali. Vous faites pas avoir, ça sert à rien, c'est toujours les mêmes prix. Mais déjà, c'est pas forcément hyper cher. Donc go for it, do you babe, do you. Passons donc à la tenue. Non, c'est même pas une tenue. C'est pareil, on reste encore dans les hauts. Let's go. Le prochain haut, je l'aime trop. Et je l'aime trop, il est encore plus cute que l'autre, quoi. Prochain haut, c'est celui-ci. Je pense que vous voyez beaucoup sur Pretty Little Thing, Miss White Did. Après, les autres, je sais pas si vous les voyez là-bas, mais moi, je sais que je les ai vus sur PLT et Miss Guided, peut-être Missy Empire aussi. Mais je ne suis pas sûre. Vous savez que moi, j'aime trop les corsets, hein. Tout ce qui resserre ici, tout ce qui est un peu dans le délire corset. Il est beige. Il existait en quelle couleur? Noir. Beige et noir, si je me rappelle bien. Je l'ai pris parce que, bah, regardez. Est-ce qu'il me va pas, franchement? Est-ce que quelqu'un ici peut se lever et dire, Aura, ça te va pas, franchement, Margot, enlève-le, quoi. Ouais, personne, c'est bien ce que je me disais. De dos, il donne ça. Et de face, il donne ça. Mais il est hyper cute. Ce que j'aime bien après, c'est bon, les bretelles, elles sont un petit peu ballantes, mais vous pouvez le porter comme ça.
Genre, vous voyez, ça fait un petit look romantique. C'est pas dégueu non plus, quoi. Je l'adore, mais il est trop beau. Bon, je suis désolée, hein, j'ai encore j'adore, mais je trouve que ça fait un trop beau décolleté. On voit un de mes tétons en plus, là. Ouais, l'autre aussi se voit, mais ça fait grande beauté. Et heureusement que ça fait comme des grains de beauté, hein. Si je me rapproche, vous voyez, c'est un téton. Mais si je m'éloigne, on dirait pas un grain de beauté. Téton, grain de beauté. Téton, grain de beauté. Je vous propose donc de passer... Faut que je vous montre ce pantalon. Eh, le pantalon que j'ai commandé... On va rire. Là, là, c'est la partie où on va rire. Je vais vous mettre la photo de ce que ça donne sur la meuf. Vous allez voir ce que ça donne sur moi. Et c'est une blague. Une blague. Bon, comme je vous ai dit, le pantalon, c'est une blague. Regardez le mannequin. Enfin, genre la photo qu'ils ont mis, ce que ça donne. La meuf, elle dette ça. Et je me suis dit, non, mon corps, il est pas trop, genre, trop différent de ouf du sien. Elle a une petite taille, tout ça. Elle a l'air d'avoir des petites fesses bien bombées, tout ça. Je me suis dit, bon, peut-être si je le prends, je vais dette ça. Regardez. Vous avez l'impression que c'est le même, vous? Déjà, on dirait il y a 4 tailles en plus, tu vois. Peut-être, je me dis, peut-être que si je le ramène chez le couturier, il peut faire quelque chose. Je vais essayer de voir, parce que là, franchement, ça me dégoûte plus qu'autre chose, quoi. C'est surtout ce niveau-là qui me gêne. Genre, c'est trop bizarre. Je sais pas, c'est trop bizarre. Il a, tu vois, même mes fesses et tout, ça le met pas en valeur. C'est, on dirait un baggy façon, et c'est pas ce que je veux, moi. Donc, c'était pas du tout comme ça que c'était présenté sur le mannequin. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais essayer de l'emmener chez le couturier pour essayer de le sauver dès que c'est ouvert. Mais si même le couturier ne sauve pas le pantalon, je pense que c'est peine perdue et que je lâcherai l'affaire. J'ai commandé un autre pantalon. Je vais l'essayer. C'est pas qu'il me va pas, mais il est bizarre. Je sais même pas pourquoi je l'ai commandé. Vrai. Non, mais le pantalon que je vais vous montrer là, il me dead, il me fout droit. Genre, je vous montre. Comme ça, vous allez juger vous-même. C'est quoi ça? C'est pas qu'il me va pas parce que la taille est parfaitement adaptée. Mais il y a un truc, hein. Il y a un truc qui fait en sorte qu'on peut pas l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous avez cette sensation quand vous le voyez. Et je sais pas. Pourtant, je sais pas, sur le mannequin, je le voyais, je me disais, mais pourquoi pas? Ça peut faire un petit flow, un petit truc. Mais là, quand je l'ai reçu, je l'ai essayé. Ouais, je suis... Non, 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 non. Et non, et je... Ça se quoi, ça? Je sais... Il y a même pas de poche. Je sais pas avec quoi je vais pouvoir... Je sais pas. Ce sera peut-être mon pantalon pour faire le ménage. Bref, ne nous attardons pas trop sur le sujet de ce pantalon-là et je vous propose de passer aux dernières pièces que j'ai commandées. C'est des vestes. Je vais vous les montrer parce que franchement, j'ai kiffé de ouf. Je vais voir ce que ça donne, mais j'espère que ça va bien donner. Je ne les ai pas encore essayées. Je ne sais pas si c'est ma taille, si les bras sont trop courts ou pas. On va découvrir ça ensemble. Donc, la prochaine pièce est une veste en cuir. Franchement, bah, c'est du simili-cuir. Hein. J'aimais bien la couleur marron. C'est l'air du temps, quoi. Voilà. Les manches, elles sont un petit peu courtes, je dirais. Par contre, j'aurais bien aimé les avoir plus longues parce que là, ça me donne envie de le porter en 3 quarts ou retroussé comme ça. Moi, là, j'ai mis avec des talons et un slim, hein. Un bail comme ça. Je sais pas comment je la mettrai d'autre. Par contre, elle est chaude. Ouh, j'ai chaud dedans. Il n'y a pas de poche ici. C'est dommage. Là, c'est des vraies poches. Mais là, je dirais que j'aime beaucoup la couleur. Vraiment, vraiment cool. Le faux cuir, il fait ça. La ceinture est fournie avec. Donc, plutôt pas mal. De dos, ça donne ça. Voilà. 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 Je vous propose de passer à la dernière pièce. Last but not least. Et c'est parti pour la dernière pièce. Mais c'est bizarre parce que à l'écran ça fait un petit peu plus goudronneux, plus brillant, alors qu'en vrai ça fait pas ça du tout. Regarde, je sais pas si je me rapproche, vous voyez? Donc je voulais une veste oversize et ben j'ai eu une veste oversize, hein. Là il n'y a pas plus oversize, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que si je mets une grosse ceinture, je peux la porter en façon robe. Donc voilà, les manches sont assez longues, mais qu'est-ce qu'elle est chaude. Je me rendais pas compte qu'elles allaient être chaudes comme ça. Elles sont assez épaisses. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme matière, mais elles tiennent chaud, quoi. Et c'est du S que j'ai pris. Non, je suis pas déçue. J'attends encore de bien trouver les looks que je vais pouvoir faire avec cette veste. J'ai commandé une grosse ceinture. J'attends qu'elle arrive et on verra ce que ça donne avec. Toujours, hein, vous trouverez tout dans la barre d'infos, etc. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Voilà, c'est la fin de mon haul. J'espère que mon haul vous a plu, hein, comme d'hab. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour moi à tourner, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Écrivez tout, partagez, likez, pouce bleu, hein, pour apprécier le travail, pour me dire que vous avez aimé le travail de la personne. On sait aussi que les haters gonna hate de toute façon, donc il y aura toujours des gens pour mettre des pouces rouges. Mais ça, c'est pas grave, on se focus sur le positif. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir tout le monde.